Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour Resident Evil 2. On va continuer l'aventure de Claire. La dernière fois du coup, on s'est fait assommer par un pélo qui a enlevé la fille qui s'appelle Chérie de mémoire. Et du coup, on est un peu bloqué au niveau du parking. Notre objectif, je pense, du coup, est de sortir de ce foutu parking et de sauver la gamine. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. Là, aujourd'hui, je serai tout seul. Donc, il n'y aura pas de vocal avec les copains. Donc, du coup, je pourrais enfin avoir le son du jeu. Complètement. Oui, ça, je sais, je m'en fous. Du coup, hop. Ah d'accord, c'est le son du... Oula. Bref. Je vais juste enlever ça parce que ça me sert à rien. Hop, voilà. Hop. Et du coup, je vous mets le jeu. Voilà. Bien essayé à s'en sortir avant, Claire traverse rapidement le... j'ai pas eu le temps de lire. Tant pis. RT à moi. Alors. C'est vrai que je suis dans le kéké. Et niveau balle, on est bien. Du coup, on peut remonter.
Pardon. La clé carreau. Y'a quoi d'intéressant là-dedans? Un spécial apparemment. De toute façon, j'ai pas la clé qu'il me faut. J'ai même oublié de couper la musique. Bravo, champion. Voilà. Là, vous serez plus en immersion. Ah oui, on a appris aussi que le l'enfoiré qui nous a tapé sur la tronche est un flic. Destruction d'équipement, objet à détruire, clé du véhicule de patrouille 7439. Détail, clé pliée, inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portières et le coffre de la voiture grâce au bouton. La 7439, ok. Message de Monsieur Raccoon. Salut tout le monde, c'est votre copain Tuzo de Raccoon City, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous connaissez les jouets Monsieur Raccoon? Eh bien j'ai entendu dire que certains garnements les utilisaient pour s'entraîner au tir et ça, ça me rend très triste. Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Et puis c'est très dangereux, hein, faites pas ça. J'en ai vu un mais je sais plus où il était donc... Encore une clé de carreau. Chance pour que les deux se relèvent. Hein. C'est la même chose que pour un recette en fait. Ça m'étonne qu'ils se soient pas relevés, tiens. Qu'il y en a un des deux qui se lève. Ok. Donc j'ai la clé dans des véhicules de toute façon. Un pistolet. Ah.
qui avait un pistolet. Je vais prendre bleu, rose, bleu. Merde! Ah, d'accord, j'étais bloqué par le mur, super. Tac! Oh putain, va falloir que je retourne chercher la clé. Chier, putain. Des éléphants, c'est des putains d'éléphants les voisins, c'est un truc de ouf, ils tapent des pieds tous les jours. Imaginez quand même que juste en tapant des pieds, il y a le sol qui vibre. C'est grave. Bon, on voit le truc de raccoon, m'en fous un peu. Je... pense que si je dois le platiner, je le ferai de mon côté parce que c'est pas vraiment l'objectif du live. Je vous jure que c'est insupportable. Ah, c'est vrai que je vous en vais. Par contre, ils ont pas fait d'effort pour ça, du coup. J'ai pas de poudre noire. Thank you.
deux petites secondes, hein, excusez-moi. Bon. Maintenant je sais qu'il y en a deux. Minimum. C'est sérieux qu'il est pas mort? Vous avez pas intérêt à vous relever, vous. Rapport d'autopsie 53-477. Nom du défunt Justin Hansen, homme blanc 39. Observation retrouvée mort par les gardiens. Les points sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaît très vite. Il est sans doute mort peu après l'extinction des feux. Le défunt étant un kleptomane notoire, incarcéré à de nombreuses reprises, il a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic clinique. Normalement c'est vraiment 3 balles genre hein, qu'il faut à la base hein. Mais au bout d'un moment il va falloir se coucher mon rapport. Non mais hé.
Mais quoi? Putain, toutes mes balles pour cet enfoiré, quoi. Bon, je vous annonce que je tiens son bout. C'est sûr. Voilà, j'ai compris. Lui, il était pas là tout à l'heure. Alors j'ai pas du tout fait gaffe. Ouais, Claire, t'as fini de gémir comme ça là? Non, c'est quoi ce jeu, frère? Hey. Est-ce que je suis dans la merde? Oui. Je suis pas dans la mouise.
Normalement, je pourrais redescendre. D'accord, j'arrête de ce côté. Ah oui, j'ai vraiment raté une fleur bleue. Une plante plutôt. Putain de fleurs. Ah mais je te vois du coup. Que t'es saleté. Putain, mais elle s'est relevée la grognasse. J'ai raté des choses au chenil, t'es sérieux? Qu'est-ce que j'ai pu rater au chenil? Ah. Ah. Donc là j'ai fini toute la zone à part la salle du générateur où que je n'ai pas accès je crois. Je peux pas. Hop. Je suis
très dans la merde avec les balles. En même temps, si le saleté de bestiole. Si les deux zombies dans la putain de morgue là, ils étaient morts avec les 3 balles là, comme d'habitude. Au chef Irons. Chef Irons, en remerciement de votre soutien indéfectible, j'ai déposé une petite somme sur votre compte à utiliser à votre guide. À votre guide, n'importe. J'espère que vous poursuivrez la surveillance de vos subordonnés, notamment les survivants du manoir. Débarrassez-vous d'eux si nécessaire. Chef Irons, je suis confronté à un problème avec le siège d'Umbrella. Les dirigeants veulent s'emparer du fruit de mes recherches. Ne vous en faites pas, tout cela sera vite réglé. Continuez simplement de suivre mes instructions et tout ira bien. Vous devez accroître la sécurité de mon labo. Vos gorilles doivent tirer à vue sur tout individu louche, quitte à le tuer, et ce, même s'il s'agit d'un employé d'Umbrella. Je suis sur le point de terminer le virus G et aucun enfoiré ne m'en empêchera. Reprenez-vous et faites votre boulot. Je vous ai dit que j'avais besoin d'une sécurité accrue dans les égouts. Vous ne comprenez pas à quel point l'instinct est critique. Je vous paierai ce que vous voulez quand j'aurai pris le contrôle par. N'oubliez pas que je peux vous renverser. WB, je m'en rappelle plus du. Je m'en rappelle pas des initiales. Ah, des babales. Pour le pistolet mitrailleur. Arme, bien sûr que je n'ai pas. Hein. Journal de taxidermie, serre de Virginie, mâle environ 6 ans, zone de capture en montagne, Arclay, longueur 1m85, poids 160 kg. Putain, le cerf est plus grand que moi, con. Content du résultat, mais je suis lassé de travailler sur des sujets si communs, j'aimerais passer à des animaux plus rares. Tigre de Sibérie, mâle environ 4 ans. Zone de capture, Kraï de Khabarovsk. Longueur 2m89. Ouais, 239 kg, j'ai failli jouer quand j'ai ouvert son ventre et que ses entrailles ont senti, je sens encore le fauve, ça c'est la vie. Truie, femelle, 22 ans, zone de capture à Cold City, longueur 1m60, poids 50 kg. Le corps de ce spécimen est doux, tendre et entièrement blanc, il est à moi pour toujours. Le... Oh putain. Super. La carte d'accès. Lettre du réparateur. D'après ce que vous avez dit, concernant le système de verrouillage électronique, l'appartement est un bureau de photographie. Je crois que quelque chose doit être remplacé. Il vous faut des pièces de panneaux électriques pour résoudre ce problème. Justement, un réparateur d'une de nos boutiques est au commissariat pour réparer la cloche de l'horloge. Il a emporté quelques pièces et il a dit en avoir laissé une dans la salle de stockage est du niveau 3F en cas de problème. Ou s'il vous en faut d'autres, n'hésitez pas à aller voir dans la tour de l'horloge. Subtil. Très subtil.
Sinon, avec le coupe-chaîne. Enfin, qui a pas de coupante. Non. Alors j'atterris où comme ça? Ah oui, c'est vrai, je suis dans un coin que je connais pas encore. Ah, putain, j'ai pas de... Je ne pourrais pas le voir parce que je n'aurais pas la pierre. Oh putain! La tête là, elle est là-haut. Parce que ça me fait pas ce coup. Tu sors d'où toi? Thank you.
oui, ça, on s'en fout. Est-ce que je m'en inquiétais absolument pas? Ah d'accord, il me le met instant. Super. Ah, putain. Ça je peux les poser pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Ça je le garde, et après je suis dans le caca. Je retourne sur la terrasse, et pour aller sur la terrasse, il faut que je fasse. Oh, ok. Ah ok, je suis de l'autre côté. Bien. C'est pas le cri ça? Montez mon grand.
suivant. Elle me fait coucou elle aussi, tiens. Je m'en veux pas ton coucou, grognasse. S-Burst pour faire de l'eau. Attends, tout ça pour ça, t'es sérieux? C'était le cric, mais non. Ah, des balles. Des balles pour les piges. Oh merde. Oh merde. J'avais légèrement oublié qu'il était là, celui-là. Oh putain. Bon là il m'a perdu, donc normalement il n'y a pas de raison. Marvin. T'es sûr en fait. Oh putain! Oh soleil mio! Je suis dans la merde!
maintenant. Merci, j'ai déjà donné. Elle est où la biblio? Elle est où la biblio? La biblio, elle est à l'étage. Chier. Pas l'air de le gêner. On va faire ça longtemps, hein, je vous le dis. Qui était là, lui, Mister S. Mais non, mais descends, connasse!
tout ça pour arriver là. Mauvais côté. Je suis pas rassuré. J'ai rien avec de un tel rouage en fait, c'est ça le truc. Donc ça j'aurais pu voir un truc comme ça, j'en ai pas vu jusqu'à maintenant des trucs comme ça. Je suis terrifié un peu, je vous avoue. La chambre noire. Mais quel autiste! Là c'est droite, droite. Putain il m'a fait peur. Oh le saligo. Casier 3F. Non, il est louche. Je suis mort. Clairement, je suis mort.
Oula, vaut mieux que je re-sauvegarde maintenant. DCM. Attends, il y a marqué 3F. Ah putain, c'est l'étage du dessus, c'est pas la douche. Et merde. Voilà. Qu'est-ce qu'il foutait au troisième étage, lui? J'ai pas ce qu'il faut. Apparemment, j'ai raté tout ça dans la salle de stockage ouest. J'ai raté. Putain, il est là, il est à côté de moi. Je suis pas bien. Dans le caca.
Apparemment, j'ai raté un truc dans la bibliothèque. Ce que je sais, c'est qu'il est dans la bibliothèque. Rectification, il était dans la bibliothèque. Ok, pour l'instant il me cherche. Bon, je vous avoue que je suis pas serein toujours, hein, mais... Ok! J'ai encore de la poudre blanche ou pas? Non. Ça j'ai fini avec aussi. Ça par contre je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je ne vois toujours pas où c'est que je dois mettre ça. Non, mais non. J'ai rien vu avec ça. C'est une blague. À chaque fois que je me plante, c'est direct en face. Non merci le liqueur. Grigné. Ouais, sans doute.
Et que moi que ça choque en fait que la police ils avaient un lance-grenade. J'ai de sacrés réflexes quand même. Bah celui-là je l'avais pas vu venir, tu vois. Ça pour ça je suis terrifié. Ah putain j'ai pas la. Alors est-ce qu'il va arriver maintenant ou pas? Ouais, il va venir sur moi direct je pense. Il y a moyen qu'il arrive sur moi direct. Ou alors il est à l'étage. Ce qui m'étonnerait un peu. Je suis pas là, 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 là. Non, non, je suis pas là. Y'a personne. Je suis allé du mauvais côté, je suis allé du mauvais côté, je suis un connard. Oh bâtard. Je suis mort. Oh. Bon, restons pas là. Attends quoi? Attends, je l'ai buté? Ah, ok. Ah mais je suis toujours bloqué en fait moi j'y pense. Je suis toujours un peu dans le caca. Ouais. Comment je vais faire? J'ai raté quelque chose dans le bureau est. Sérieusement. Je pense que sûr de l'avoir entendu se relever.
Y'a rien dans ce livre? J'ai même pas regardé en fait. Désolé Marvin, mais tu étais devenu trop dangereux. C'est la vie. C'est la vie. Ah, y a le coffre ici, mais j'ai pas encore accès au truc. Eh ouais, je suis un connard. Sinon t'auras juste pu péter la statue maintenant. Oui, bah oui, bien sûr. Sinon t'auras juste pu la péter, hein. Je vais me péter le crâne, hein. Je vais me fracasser le crâne. Qu'est-ce qui contient? Qu'est-ce qu'elle contient la petite boîte du coup? Faut que je retourne là. Pourquoi est-ce qu'il est encore debout? C'est obvious. De toute façon, il n'y a plus de liqueur à ce niveau. Faut que je sorte dans la douche. Lettre aux membres du Stars. Ah, mes copains du Stars, comment ça se passe au commissariat? Vous tenez le coup face au bureau Irons? Moi, je reviens tout juste d'un rencard avec un avion de chasse. Je voulais s'imaginer ce qui s'est passé sous son grand parapluie. L'Europe, c'est génial. Un mois ne suffit pas pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu. Je vais peut-être prolonger mes vacances de 6 mois. Barry n'envisage même pas de me rejoindre. Je voudrais pas faire peur aux jolies filles. Hein. Allez, laisse-les-moi. Jill, si Claire essaie de te contacter, dis-lui que je vais bien. Chris Redfield, 29 août. Ça ne ressemble pas du tout à Chris. Je
Moi, j'aurais encore besoin de la clé USB. Y a ce cadenas là. Il y a le coffre. Il y a le panneau électrique, il faut que j'aille. Trou de manivelle. J'ai pas de manivelle. À moins qu'ils considèrent le gros rouage comme une manivelle. Je m'étonne un peu. Alors attends, on va refaire l'inventaire. Alors, tout en bas, pour l'instant, à part la salle du générateur où je n'ai pas accès, je m'en suis occupé. Ici, c'est verrouillé. Le lecteur de carte, de toute façon, j'ai pas la carte en question. La salle d'observation, bizarre. Ah, je peux y avoir accès par la salle d'interrogatoire, je suis débile. Donc, faut que je fasse. Ah, faut que je repasse par là-bas, sérieusement. Après oui, il y a le coffre de la salle de merde. La salle d'attente, mais je n'ai pas le code. Non, je crois pas, attends. Non, ça c'est bon. Ça, on s'en fout. Oh. Oh. Non. Non, j'ai pas le code. Et merde. Tant qu'il se TP pas, ça devrait aller. Normalement, il peut pas se retrouver devant moi. Attends, je voulais faire quoi? Pourquoi j'ai voulu revenir là?
Pourquoi je veux revenir là? Je suis teuteux. Hein. Trou pour barre en T. Je sais pas pourquoi je voulais revenir là. Comment j'y accède à la chaufferie? Je me rappelle pas pourquoi j'ai voulu venir là. Ça, c'est un safe spot. La salle d'interrogatoire, voilà pourquoi je voulais. Voilà pourquoi je voulais venir. Rapport de confiscation. La salle d'attente. Voilà, nickel. 6, 2, 11, ok. Prends ce pur boule.
6 de Hong. Je suis un peu dans la merde, je vous avoue. J'arrive. Un chargeur. Mais je suis toujours bloqué. Est-ce que je peux le réactiver ce truc là? Je vais me le sauvegarder, ça ligo. Apparemment, j'en ai encore besoin de ça. Putain, ça s'active qu'une fois cette merde. Fuck. J'aurais peut-être dû récupérer les balles de la mitraillette. À l'échelle? Ah! Bah, j'ai eu ma réponse.
aïe. Dans la merde un peu. Tu vas quand même pas me dire qu'il est au-dessus. Il est où? Ça va pas nous foutre des coups de poisson comme ça. Ça va pas. Hein. Ça va nous faire des frères comme ça. Ah, parce qu'il y a une porte en, au troisième étage. Ah, c'est la fameuse tour de l'horloge. Dans le caca là, je vous avoue. Projet de réparation au lieu horloge ouest du commissariat en raison de la grande valeur culturelle de la cloche. J'appelle un spécialiste pour les réparations, on verra les détails quand il sera sur place, mais en attendant, je vais sécuriser la cloche pour éviter un accident. Mmh. Aïe. Par pitié, me dis pas qu'il est là. Thank you.
Oh putain, il m'en manque un quoi. Non! Putain, il va être où? Dans la douche. Il peut être dans la douche. La salle de pause, j'y ai pas accès parce que c'est à partir de là. Pour y avoir accès, il faut que j'ai accès à la salle du générateur. Sauf que la salle du générateur, je n'y ai pas accès. C'est bon, du coup, vu que ça s'est descendu, ça va pas remonter. Non, c'est bon, normalement, je pense que c'est ça. Et après ça, je vais m'arrêter. Oui. Tirer tous les mobs, hein, vraiment. Ça a marché? Ouais! Au risque de se faire bouffer. Je me rappelle pas de. J'ai pas d'autres personnages en tête de la personne qui prête sa voix à Claire, du coup. Faudrait que je regarde. Regardez. Il est où? Ah, il est à l'étage inférieur. Je crois qu'il est à l'étage inférieur. Il était à la biblio. 100% il était à la biblio. Ah, si, il me semblait. Je vais refaire le tour. De toute façon, faut que j'aille en bas, faut que j'aille au niveau du bureau. Donc en soi, non, c'est bon, je suis au bon endroit. Comme quoi, il fait pas que me gêner celui-là. Non, non, non. T'as rien vu, t'es débile.
Toi, tu réponds à côté téléphone alors que tu sais même pas qui c'est, genre. Allô? Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. C'est qui le clochard? Où ça? Dans le quartier. Tu le trouveras. Ah! Chérie, va bien? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal. Sale mioche. Si tu n'avais pas laissé tomber ce truc, j'aurais pu te libérer. Hein? Si tu n'avais pas fait tomber ce T'inquiète pas, chérie. Tout ça sera bientôt fini. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Non. Arrête. Non mais moi je veux sauvegarder, moi. Sinon, tu tires dessus, hein. C'est quoi cet endroit? Journal de Sally, 4 janvier, les mercredis, c'est trop bien parce qu'on a un goûter, une glace. Je détestais là où j'étais avant, les profs étaient méchants, on faisait que travailler, ils travaillaient encore et on n'avait pas de glace, j'adore cet endroit. Donc janvier, il y a une nouvelle règle importante aujourd'hui, tout le monde doit écrire un journal, alors allez voir le docteur. Et on n'a plus le droit de sortir tout seul, du coup j'ai plus besoin d'aller à l'école, j'ai pas envie que quelqu'un se moque de mes habits. Surtout pas le garçon qui les avait avant. Le directeur de l'orphelinat va venir aujourd'hui, alors je vais porter ma tenue préférée, c'est la carreau bleue. Le directeur est grand, le directeur a une moustache, le directeur est policier. Si je peux m'accroupir, c'est pas pour rien à mon avis.
Je peux peut-être sortir par cette porte. Bah vas-y, parle plus fort encore. Mince, il me faut la clé. Bah parle plus fort encore. Journal de Tom, 5 février, ça fait 2 mois que j'ai envoyé cette lettre à Olivier, à Oliver, et toujours pas de réponse. De toute façon, c'est toujours pareil, quand ils sont adoptés, je parie qu'il vit comme un prince dans une belle maison et qu'il nous a oubliés. Je croyais qu'Oliver était différent, qu'il sera toujours mon ami, je suis stupide. 1 février, Anne a rassemblé tous les petits et leur a raconté une histoire. Elle leur a dit que tous les enfants qui sont adoptés finissent en pâté pour les croque-mitaines, c'est pour ça qu'on en entend plus jamais parler. Je sais pas où elle trouve ses idées, mais elle devrait écrire des livres d'horreur. 3 février, il se passe un truc bizarre ici, et c'est pas juste à cause des histoires d'Anne. J'ai été dans les endroits pires qu'ici. Pardon. Et l'orphelinat est financé par une grosse marque de médoc, mais pourquoi on ne peut pas appeler quelqu'un ou sortir? Pourquoi il y a tant de docteurs? C'est quoi ces piqûres? On dirait qu'on est 14 février, je vais être adopté. Moi, la plupart des gens veulent des petits, alors je pensais que j'étais trop vieux. Mais je dois avouer que je suis plutôt content, faut être honnête. Je dirai adios à cet endroit le 20. Je ferai de mon mieux pour être un bon fils, dont mes nouveaux parents pourront être fiers. Oliver est revenu au milieu de la nuit en sale état, il criait au secours et tout. Je l'ai même pas reconnu au début, son visage était confondu. Il est avec les profs et les docteurs. Ils disent que c'est un problème de peau, il ira bientôt mieux, on pourra partir à l'aventure ensemble comme avant. Hein? J'ai tout le temps de dire que l'histoire de l'adoption c'est bidon parce qu'il a été utilisé pour les expériences. Oh, le vieux dégueulasse! Journal de. Si vous faisiez ça, appelez la police. Les croque-mitaines sont là, ils mangent tout le monde. Il y a plein de croque-mitaines. Au secours, ils arrivent, aide-moi, maman. De toute façon, je vais m'arrêter là. Hein. Oh, cette gueule, ouais, non. Hop. Du coup. Waouh. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. On se retrouve peut-être ce soir pour. Peut-être pour Dead Space. Ouais, je pense que je vais faire du Dead Space ce soir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures. Bye!